Thank you.
Mesdames et messieurs, nous voici devant le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde. Bah, il est plutôt petit. Et puis on ne voit pas grand-chose, juste cette dame là avec son drôle de sourire. Il y a marqué Mona Lisa ici. Alors la Joconde, ça veut dire quoi? C'est son métier? Ce portrait représente peut-être l'épouse de Francesco del Giocondo, ce qui lui valut le surnom de Joconde. Qu'est-ce qu'a fait la dame les bras croisés? Peut-être qu'elle attend son amoureux? Mais non, on ne sait pas ce qu'elle fait. Ah bon, ben si on sait rien, pourquoi elle est célèbre? Peut-être parce que Léonard de Vinci est connu pour ses inventions. Il a même dessiné les premiers avions. Au Moyen-Âge? Mais non, à la Renaissance. Et puis le tableau est surtout connu car le sourire énigmatique de la Joconde et ses yeux qui ont l'éclat de la vie ont contribué à son incroyable notoriété. Je vais sourire moi aussi, comme ça je serai célèbre. T'es bête. Ce tableau, viens le voir parce que, bah, parce que tout le monde veut le voir, voilà. Bon, alors le vrai mystère, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il est si célèbre au fond, ce tableau.